Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Contentius, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Darkest Tower avec la France nationaliste. Donc, ok, la guerre civile a commencé. Et déjà, bon, je vais enlever le son temporairement. Donc, on a la guerre civile. Donc, pour résumer ceux qui n'avaient pas vu le dernier épisode, guerre civile des États-Unis, voilà, les communistes qui prennent l'avantage sur les Américains, c'est pas bon du tout, ça je peux vous le dire. Parce que si c'est les communistes qui gagnent, le Canada va se faire envahir et vu son armée. Faut pas espérer beaucoup, parce que c'est surtout de la milice, donc c'est de la merde. Et on a la guerre civile en Espagne qui a commencé, donc entre carlistes et royalistes. Et aussi, on a une guerre entre Cosaques et Kazakhstan. Bon, de toute façon, de toute façon, à ce moment-là, là, on est tombé dans les pires guerres d'histoire. C'est bon, on va pas en demander plus. Et on va se lancer dans la suite de la partie. Donc les Irlandais, dirigés par Michael Collins, bien évidemment, ont soutenu les carlistes. Tandis que les Italiens ont soutenu les E. Ce qui est un peu con quand ils pensent. Je crois que c'est les communistes qui viennent de popper là cette fois. Allez les mecs. Ah, les communistes sont là, va voyons. A las barricadas. Ah, l'Allemagne s'en fout de l'Espagne. Mais les mecs, vous êtes pas cool. Ah oui, c'est vrai qu'en Espagne, il y avait une sorte de Front populaire qui avait été élu. Non, 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 non. L'empereur a été. Ah, bah ça y est, donc on a Pucci, le frère de Pouilly, qui vient de prendre le pouvoir. Salaud! Et vu que on est dans ce conflit, on va soutenir les carlistes, parce que je crois l'avoir expliqué tellement de fois. France nationale nous soutient. Et dis donc, toi, mec, tu vas te détendre. Déjà, c'est France, pas nationale. Là. Déjà, le mec qui te soutient, c'est pas la France nationale, c'est l'Empire. Alors bon, il va se détendre, le petit machin, là. Parce que bon, moi, j'hésite pas à t'envahir. Parce qu'attends, attends, le mec se fout de ma gueule quoi. Attends, c'est qui est en train de t'aider là? Bah c'est moi. Alors bon, on va baisser ça parce que bon, malheureusement, on ne peut pas continuer comme ça. Alors on va augmenter notre industrie tout en augmentant notre capacité de construction. Alors, perte de ressources en Espagne. Alors c'est qu'est-ce qu'il y a en ressources dans le nord? Ah oui, quand même. Ouais bon là, il y a de rien, rien. Oh, Pays Basque, on a. Ou en Catalogne, je crois que c'est le cœur industriel de l'Espagne normalement. Ah oui. Ouais, donc là la monarchie. Oh oui, alors là, ça va tomber. Surtout qu'en plus le roi il est dans le coma, comme je vous ai dit. A devious plan, make an offer. Oh les salauds, ils vont vendre Bata, attends. Oh les Espagnols qui ont même plus d'honneur. Les Espagnols viennent de tout simplement vendre leur colonie, quoi. Les mecs, vous avez même plus d'honneur. Blood soutient, nanana. Alors, les Russes, vous soutenez qui au juste où est-ce que l'Empire russe a été rétabli? Attendez, c'était. Ah, oh, ils ont soutenu les nazis. Oh. Oh oui, et les communistes, ils ont du soutien. Oh là 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 là. Réfugiés de France. Révolution, c'était depuis le début. Ah, c'était prévu depuis le début, les mecs. Alors, gros combat à Baltimore, jour de l'Anzac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, les Espagnols, enfin les Américains, enfin, les Espagnols, les Américains ont perdu du terrain. Ah non, ils en regagnent. Ah, c'est ça de Baltimore, d'accord. Avec Charles Lindbergh, le facho qui est facho de service qui est là. Oui. Alors je crois normalement les Canadiens peuvent intervenir en envahissant les États-Unis. Bon, j'espère qu'ils vont le faire. Réfugiés de Britain, nanana, plot is found. Détruire les forts, voilà, ils pètent les forts Taiping. Devriez les garder avec Stenberg à côté. Ok, le projet Damoclès, c'est quoi ce truc? Oh oui, allez, des soutiens aux carlistes. Et Guadalajara est tombé. Ce qui veut dire que si Madrid tombe, eh ben, je crois que les nationalistes, ben, ils ont un peu gagné. Enfin, les. Ouais, les. On... Perte de ressources, il y avait quoi à Guadalajara? Mais il n'y avait rien. Ah non, c'est à Draen. Putain, mais les mecs, ils me disent perte de ressources, mais il n'y a rien. À partie divisée, terreur monarchique. Ah bah ben, oui, les mecs. Putain, les communistes sont en train de prendre du terrain. Alors là. Xavier là, le François-Xavier de Bourbon-Parme, t'as intérêt à gagner cette guerre parce que je te signale que toi. Alors qu'est-ce qui vient de se passer? Une grande centralisation est nécessaire. La Bosnie a été annexée par l'Autriche. Pourquoi? Pourquoi vous annexez? Ça sert à rien. Never. Une offre des communistes quoi. Les mecs. Oh putain, ils ont pris Talancon. Ah oui, la guerre là, ça va surtout être entre communistes et. Bah attendez, puisqu'on est en guerre, hein. Bah attendez, je pense qu'on peut remettre la musique parce que bon. Voilà la petite musique bien calme, voilà, avec à côté du Dawei Chamron. On va envoyer le Bergerac, dirigé par l'amiral Dupont. Voilà, Dupont et Dupont qui vont aller nous faire un rapport détaillé. Oh! Ah oui, il n'y a pas grand monde de côté communiste. Donc, que me disent mes services secrets? 19 divisions, ah oui, c'est vraiment que tout le monde les soutient.
17 divisions, ouais, de Gaulle devrait y aller, tant qu'il y est. Et 23 divisions, ouais, je pense que Mystère Secret doit être bâclé parce que. Ah, le pape! Le pape soutient! Et en plus, ils viennent de prendre Salamanca, qui n'a rien du tout. Putain, mais. Ils prennent que des régions qui valent rien, quoi. Les mecs, vous faites n'importe quoi. Oula, les communistes prennent du terrain. Oh oui, là, les monarchistes, là, ça va être fini en moins de deux. Bon. Alors, copains. Alors là, l'armée espagnole, à la fin de cette guerre civile, elle sera modernisée à 100%. En même temps, toi, il y a Napoléon IV qui est en train de donner le sein à François-Xavier de Bourbon-Parme. Oui, c'était une image dégueulasse. Pampelune est tombée, mais. Alia, quand elle doit défendre, je peux vous le dire. Et Guadjara est tombée, mais putain, mais. Sanlia est tombée en plus. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Mec, c'est même plus défendre, quoi. Alors là, c'est les communistes qui gagnent. Oh, bah non, les royalistes, ils gagnent du terrain. Ouais, en même temps, tu me diras, l'armée. Mais putain, mais les carlistes, ils font quoi? Ils ont perdu leur territoire en 2 semaines. Monte un peu le son. Ah, bah ça y est, Pampelune est reprise. All the men and children. Ah, c'est aux États-Unis, d'accord. J'ai peur de destroy them. Les anarchistes. Attends, les mecs, vous êtes en guerre civile et vous êtes. Vous devez encore éliminer des. Oh, 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 c'est très bon ça. Si New York et Williamsport tombent, ben, je crois que déjà lui là, il va moins faire son malin. Non, mais c'est quoi les points de victoire du. Oh oui, ça va, il a encore de quoi tenir. Ah oui, surtout qu'ils sont alliés à eux, donc. Putain, et les nationalistes, enfin les républicains, vous tenez, mais. Même le parti en France ne tient pas. Ne tient pas mieux que vous. Enfin, ne tient moins que vous. Voilà, c'est pas mieux, fait. Ah, la Suisse réclame la Suisse romande. Oui, parce que c'est la minorité. Non, la France. En fait, ils vont réclamer la minorité suisse en espérant que ça ne dégénère pas en conflit mondial. Ils ont accepté. Oh oui, les Allemands ont refusé. C'est génial, on vient d'éviter la. On vient d'éviter la guerre mondiale parce que je peux vous dire que ça peut. La guerre peut éclater à ce moment-là. Voilà, il se passe quoi? Nous, rien du tout, on a juste le vieux Kennedy là. Enfin, le vieux Kennedy. Le Seignol qui est là. Et putain, les nationalistes. Les monarques. Mais qu'est-ce qu'ils font les carlistes, quoi? Les mecs, j'ai payé, ils sont même pas foutus de se battre. Alors, du pétrole au Mexique, ben, tu sais, là-bas, votre pétrole, c'est plutôt le Coca-Cola. Ah, oui, pas de négociation avec Stender parce que ça peut dégénérer en guerre aussi. Ok, un nouvel éditeur. Ah, oh, ils ont mis un vieux au pouvoir. Oh non, il n'y a pas Benito Mussolini, ils auraient pu nommer Mussolini, ça aurait été trop drôle. Tu sais, le mec. Attends, Dallas a été prise, ils sont pas au Texas. Ils sont au Texas. Oh mon sang. Little Rock, oh oui, putain, là les nationalistes. Ouh oui, je voudrais bien que ce soit les Charlinberg et ses copains qui gagnent, parce que là on est bien parti. Gros combat, Memphis, oh putain. Faudrait que la guerre d'Espagne là se termine rapidement pour que je m'allie avec les carlistes et que je quitte mon alliance. Non, parce qu'il faut vraiment qu'on s'en sorte. Putain, mais les mecs, ils sont cons, ils ont plus d'armée, c'est ça que ça veut dire. Ok, Vlodan, je sais pas qui c'est, mais je m'en fous, hein, tu sais, bon. Oh, belle percée des Saint-Charles et. Saint-Charles et Saint-Louis, putain. Eh, c'est les deux villes les plus croyantes des États-Unis que vous venez de prendre. La Bolivie refuse de donner ses terres. Ah, c'est pas bon du tout, on va encore avoir une guerre. Conscription du Sud, allez. Encore des conscriptions, nanananananan. Alors, en force régulière, oh, 4%. 1% cette fois? Bon, ok. Allez, bim, conscription, hein, tout d'un coup, quand on se rend compte, ça sert enfin à quelque chose de se battre. Hein? Parce que bon, il y a l'IA qui me gueule tout sans dessus parce que je fais des divisions. Hein. Vous savez, c'est déjà pas simple avec l'état-major de singes qu'on a. Je le dis amplement, on a un état-major de singes dans ce pays. Et on va y mettre une garnison à Bona et cette garnison, bon, va devenir une infanterie. Voilà. L'autre division, ben, les zouaves, ben, vous allez aller ici. Non, il y a déjà quelqu'un ici. C'est réservé en fait. Non, ce qui est bien avec la France nationale, c'est que quand tu peux enfin former une vraie armée en. À partir de 1937. Parce que bon, là, l'armée française recrute, c'est plutôt des soldats qui savent pas tenir un fusil. Chasseurs d'Afrique, vous devenez des motorisés. Je m'en fous que ça vous plaît pas d'avoir des roues sur vos chevaux. C'est un ordre. Parce que je tiens à vous prévenir que si on doit envahir. Putain, mais les nationalistes, ils avancent pas. Eh non, mais je vais pas devoir vous nourrir toutes les 3 semaines parce que les mecs. Pas devoir vous nourrir toutes les 3 semaines parce que monsieur. Monsieur, je suis roi d'Espagne, il est même pas foutu de prendre une région, quoi. Donc, on va même envoyer un peu de pétrole. Non, pas 455, parce que pétrole, on a déjà pas beaucoup. Voilà! De l'énergie, tiens. Là, si tu me prends pas de terrain. Prayer for the Tsar. Est-ce qu'on va avoir une guerre civile en Russie? Non, je voudrais tellement qu'il y ait une guerre civile en Russie. Avec Poutine au pouvoir? Non! Oh, mais. Et Pampelune, 4% d'infrastructure. En moins de 5 semaines, il n'y a plus rien. Oh là, les communistes qui perdent du terrain. Franco Bamonde de Bécom. Le prince est mort! Franco? Le roi d'Espagne est mort. Ils ont débranché
Le prince couronné est mort. C'est Franco, le roi d'Espagne. Francisco Franco Bahamonde, putain. Franco, roi d'Espagne. Mais qui l'eût cru? Non, mais Franco, roi d'Espagne, alors ça. Alors ça, je vais m'en souvenir. Là, on s'en souviendra tous. Bon, Franco, j'espère que t'es bien une grosse merde. Parce qu'on a vraiment besoin de toi. Un plan pour l'agriculture, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Miner dans le machin. Eh, les communistes, ils perdent du terrain là-bas. Par contre, à l'ouest. Ah non, Denver a été reprise. Ouais, faut pas désespérer. La guerre va se gagner. Faculté de recherche atomique filée par les Canadiens. Ah merci. C'est les mecs qui me donnent une technologie qui va vraiment beaucoup me servir. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le jour du Portugal. Et je m'en fous du jour du Portugal, c'est pas mon problème. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Merci Edouard de me filer un truc pour réacteur nucléaire. Parce que ton réacteur nucléaire, tu veux que je le mette où? Je vais pas le mettre à Tougourt en plein désert du Sahara. Je vais pas le mettre à Alger parce que déjà qu'on n'est pas nombreux. Alors si on a Tchernobyl, ça tue les trois quarts des gens là. Oh là, par contre, expédition allemande au Tibet. Ouais, bon, enfin, ce qu'il en reste, parce que maintenant Tibet c'est plus vraiment tibétain. C'est bon, là ça va s'y perdre Burgos, ils ont encore des points de victoire. C'est pas ce que je veux. Bon, allez, au pied mon petit, je vais te filer quelques ravitaillements. Putain, mais le mec, ils ont des technologies de la Première Guerre mondiale, quoi. Ah non, mais bon, là, j'ai honte de les soutenir en leur donnant ça, quand même. Parce que bon, là, ça, j'ai l'impression d'aider des nations pas civilisées. Enfin, bon, excusez-moi, cette phrase avait été mal interprétée. Alors, machin, Tenway, Marlene Dietrich, le nouveau film de Marlene Dietrich, bah oui, puisque il n'y a pas les nazis, elle va pas se barrer aux États-Unis. Vrai que, quand ils pensent... Le grenier du monde, ouais! Ok, la Boer Strike. Saint-Louis a été recapturé. Oh! Et je suis sûr, la ville, elle s'appellera même plus Saint-Louis, tu sais. Putain, mais les communistes. Oh là là, mais c'est quoi cette guerre civile aux États-Unis? Ça, c'est si Donald Trump était. Ça, c'est si Donald Trump essaie de se représenter. C'est le mec qui a pas peur de faire se faire massacrer par ses abonnés. Mais non, je vous aime bien, mes petits abonnés. Putain, par contre, les. Oh là! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. D'accord, donc eux ils ont envoyé un message aux gars pour leur dire vous appartenez. Oui, faut que la guerre se termine, tu sais. Un nouvel héritier. Ah, tu sais ce que ça veut dire, Edouard? C'est que t'as pécho, voilà. Voilà, je le dis honnêtement. Oh non, Guadalajara encerclé, je suis sûr qu'ils ont des divis. J'espère qu'ils ont pas de division. Putain, mais les nationalistes, les républicains, ils tiennent quand même. Enfin, les républicains, tu sais, avec Franco maintenant, c'est plutôt les fascistes avec les nationalistes. Putain, oh là. Formation du machin d'Ocomé, ça je m'en fous un peu, mais bon. À la guerre d'Espagne, faudrait que se termine avant 1939. Parce que si elle se termine après 1939, la guerre elle va éclater en Europe et on n'aura pas le temps de libérer la France. Donc, putain, le nom de l'autre, il est tellement grand dans le jeu que ça dépasse sur les cas. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. We shall appli, ok. International, oh là 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 là, mais les mecs, vous me saoulez avec votre. Madrid a été prise par les communistes. Oh là 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 là. Parti conservateur en Équateur. À l'Équateur. Ça. Non, c'est la Colombie. Ouais, bon, social conservateur, tu me diras. T'as les communistes, ils avancent. Bon, faudrait peut-être que les. Ils peuvent pas faire un front uni, je sais pas. Gros combat à Saint-Louis, immigration, économie. Ah, les communistes encerclés. Et oui. Madrid a été prise. We must scavenge, ok, vous devez prendre ce que vous tenez. Enfin, cette phrase, vous devez prendre ce que vous tenez, quoi. Toi, tu dois prendre ce que tu dois tenir. Mais ça n'a aucun sens, grand-mère. Je m'en fous. En Chine, ils sont national-socialistes. Voilà. La Chine est fasciste maintenant. Voilà, ça, c'est ce qui serait passé si Mao était fasciste. C'est le mec qui dit vraiment n'importe quoi dans sa chaîne. 14 minutes. Il se passe pas grand-chose, excepté qu'on a évité. La conscription a été un succès. De Gaulle, nanana, c'était pas populaire, notamment pour les populations. 5% en stabilité, mais. Putain, mais les mecs, quoi! Mais non, mais c'est pas cool du tout! Les mecs, j'ai déjà plein d'instabilité, eux, ils m'en remettent! Ça s'en va, et. Non, ça suffit, Coric. On a compris, hein. Non, c'est bon. Oh là 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 là. Non, attends, ça c'est en. C'est bien, non, on va avoir une armée modernisée. Bon, à la fin de l'année, on aura une armée prête à en découdre. Enfin, bon, prête à en découdre. On va mettre des divisions à Elkef. Bon, de toute façon, on va laisser les tirailleurs sénégalais, tu sais, c'est pas un gros problème. Ah! Alors, par contre, où sont passés mes fusillés marins? Bah, j'ai pas des fusillés marins quelque part. Très étrange. Ah, ils sont à Dakar. Parce que parfois, il y a.
Bizarre ça. J'ai pas de fusil marin. Ah bah non, ils étaient sous mon nez. Eh, ils ont un beau skin. Ah bah, attends une minute. Attends une minute. Puisque c'est des fusils marins, faut qu'on mette un mec. Voilà. On va mettre le commando Kiefer. Voilà, Kiefer qui était un célèbre. Pour ceux qui savent pas, c'est le mec qui a débarqué en Normandie avec les premiers soldats français. Oui, c'était les rares soldats français qui ont débarqué. Putain, mais les communistes. Par contre, ils se prennent de l'instabilité, c'est. Ouais, c'est vraiment. C'est. Vous pouvez gagner du terrain, mais c'est limite. A find me nanana, phalange internationale, ouais. Putain, mais. Et machin, enfin, je sais plus quoi, fais quelque chose! Je vais pas devoir te filer du. Que je. Mon objectif, c'est t'aider à gagner la guerre, pas te filer du ravitaillement pour les 30 secondes. Le mec, c'est même pas se battre, quoi. Comment tu veux que j'aille cette guerre civile? Enfin, comment il veut? Parce que moi, je peux même pas envoyer de soldats à l'aider. Il reste des paysans. Ah? Alors, Dimitri Romanov, il paraît qu'on gère mal son pays? Que bon, moi, je fais qu'observer. Alors, rejoindre les révolutionnaires. Oh oui! Ah, et eh ben, génial, on a la Birmanie fasciste. Non, communiste, pardon. Parce que bon, sur ce mode, vu que Mussolini est communiste, je ne déconne pas. Eh ben, tout simplement que. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, les communistes perdent du terrain au sud, ça c'est bon. Par contre, c'est pas bon de voir que. Putain, mais les nationalistes, ils arrivent même pas à tenir les autres. Oh! La Birmanie est entrée en alliance avec les communards. Putain, c'est quoi la tête du mec? Oh, il y a Nehru! Non, Nehru. Non, Coric, on dit Nehru. Non, merci. Nehru, si je me souviens bien, c'est le premier ministre de l'Inde. Le nom complètement pourri, tu sais. Je suis le premier ministre de l'Inde. Ok. Très bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Putain, aux États-Unis. Eh, les nationalistes ont peut-être gagné la guerre? Parce que moi, pour l'instant, je peux vous dire, je ne sais jamais ce qui s'est passé quand les nationalistes gagnent. New York a été capturée! Oui! On vous avait enfin pris cette fichue ville! C'est pas possible quand même d'être incompétent à ce point-là. Alors, les Pays-Bas, j'ai l'impression qu'ils sont fascistes. Non, ils sont social-démocrates, pardon. Ce sont juste des mecs communistes, sauf qu'on construit pas des goulags, on enferme en prison. C'est tout. Par contre, là, les nationalistes. Eh, mais les mecs, faut garder, faut les empêcher de gagner du terrain. Salt Lake City, je crois que c'est là que vient Calamity Jane. Voilà, vous apprenez un nouveau truc. Avec Flavius Contentius, apprenez des personnages. Enfin, apprenez rien du tout, en fait. Et les communistes, mais comment ils font? Ok, statut de la religion orthodoxe en Serbie, je m'en fous. Tu sais, si c'était les Canada ou les États-Unis, je m'intéresserais, mais là, vous. T'es juste la Serbie, quoi. T'es juste un pays de 3 cm². Le congrès est divisé. Ah, chez les communistes. C'est incroyable, moi qui croyais que les communistes étaient jamais divisés entre eux. Hashtag la France insoumise. Oh, belle poche. Oh oui. Dallas a été encerclé. Espérons qu'il n'y ait pas Kennedy là-dedans. Ah bah non, c'est vrai que Kennedy, il est là-haut. Alors. Oh, ça y est, ils ont choisi un roi en Pologne. Alors, le roi de Pologne, c'est un. Un Saxon. Attends, c'est qui ce mec? Alors, JKW Frédéric Christ. Ok, déjà ce mec a un nom méga long. C'est sérieux de nommer. Oh oui, je comprends ce qu'il disait. La révolte. Ah non, c'est pas une révolte en Russie. Bah non, non, c'est juste mon curseur qui faisait genre, voilà, il y a une révolte, mais en fait, pas du tout. On est des fourbes. On est des fourbes sur cette chaîne. Les paysans russes sont pas contents. Je m'en fous. Ah, la Pologne, Italie, l'Allemagne. Oh non, je vais devoir envahir la Pologne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine va devenir une puissance industrielle dans 5 ans. Ok. Putain, 44 pp quand même. C'est pas beaucoup. Parce que je crois qu'ils peuvent avoir un mec qui fait plus 10. Et ils ont un mec qui fait combien? Ouais, bon, vous avez une merde. Vous avez un laissez-faire capitaliste. Pour une Chine qui était censée être communiste, c'est la honte. Ah, ça y est, les nationalistes gagnent enfin du terrain au passage. Tu sais, c'est les. Alors, guerre. Nanana, d'autonomie for the tuc. C'est quoi le tuc? C'est quoi le truc? Non, c'est pas une bonne blague, c'est pas une bonne. T'as des mecs, tu comprends jamais rien. Vous êtes quoi? Je suis un tuc. Oh, je peux envoyer des divisions. Cavalerie. Oh oui, on peut envoyer des divisions. Allez, bah attendez. On va filer des divisions. Attends, je peux vraiment envoyer des divisions. Ah, d'accord. Bon, on va lui filer des divisions. Alors, on va lui filer la 6e et 5e tirailleurs sénégalais. Allez, on va être sympa. Je peux vous dire, ça preuve. 6e et 5e tirailleurs sénégalais. Putain, faut encore que je les trouve. Je peux envoyer des garnisons. 5e et 6e. Putain, il y a deux. Putain, mais il y a plein de divisions quand même. Hop, oui, on va leur enfiler quelques ressources. Bon, les mecs vont être contents. On leur envoie des divisions. Allez! Cadeau! Ça y est, on n'a plus les divisions en question?
Oui, on n'a plus les divisions. Ça veut dire que. Tu sais, on assiste. Vous imaginez, on voit les combats. Bon, par contre, on voit pas grand-chose sur la côte. Putain, là, faudrait que. Mais ça se trouve, c'est ouvert là, mais ils le savent pas. Madrid qui a été reprise par les royalistes, on notera. Enfin, Franco ou quoi? La coalition menchevique explose. Les menchevistes, pour ceux qui voient la série de Caudron avec la Russie, c'est les communistes. L'aide britannique arrive. La paix avec l'Afghanistan est arrêtée. Tu sais, j'ai pas envie de taper Oussama Ben Laden actuellement. Alors bon. Le Shao machin a été défait. Mais, mec, vous avez pété l'effort et vous en rendez compte que un an après, quoi. Mais vous êtes débiles. Je comprends pourquoi vous avez renversé Pouilly, attends. Et Dallas qui est toujours encerclé. Les communistes qui perdent du terrain. Indianapolis encerclé. Putain, mais les mecs, vous avez même pas foutu de péter les poches, quoi. États-Unis, ils ont combien de points? Alors, sorry, nanana. Typhon, un typhon percute Hong Kong et les mecs, ils répondent: oh bah, désolé, on n'a pas de ressources pour vous aider. Mais bande de salauds, quoi, les mecs. Vous avez aucune âme, quoi. Bon, attends, puisqu'on est un peu copains, alors c'est incroyable, nos relations ne bougent pas. Allez, petit copain avec François. Avec François. Lyon Britain a réussi à piquer des technologies à l'Allemagne. Ouais, c'est vraiment que le coup que t'as fait en Norvège, t'as pas suffi, mec. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais les communistes, ils. T'as 1,3% de. Oh là là là. Et là, ils ont fait désert logistique là-haut. Les communistes qui perdent du terrain. Fait mec, c'est fondé. Je sais pas ce que c'est, mais je m'en fous. Oui, je sais, je suis un peu. Je m'en fiche. Je m'en fiche qu'il y a un 3 pécores qui ont fondu une ville. Petrograd a été choisi comme capitale. Ah bah oui, c'est maintenant vous êtes l'Empire russe. 113 points de production quand même. Oh, les communistes qui se prennent une poche de l'intérieur. Et là, je sens que c'est. Et les Suisses sont bien partis pour gagner quand même. Oh oui! Oh oui! New York a été recapturée, mais bon sang, mais qu'est-ce que vous faites? Mec, ils savent même plus gagner du terrain, quoi. Et vas-y que la ville elle tombe, et vas-y qu'elle retombe. Do nothing. Ok, ben vous vous en foutez. Oh, ah bah les Américains, les communistes ont plus de poche dans le sud. Enfin, et là, oh là là, les nationalistes qui sont en train de gagner. Le massacre de Parsley. Demande de. Nanana. Ok, guerre entre Haïti et la République dominicaine. Ça aurait pu faire mieux quand même. Est-ce que je peux leur envoyer du ravitaillement? Tu sais, le mec, il s'incruste dans toutes les guerres. What? Qu'est-ce qui se passe dans le sud? Allez, on rush la frontière mexicaine, on va demander à Ponchoville un asile politique. On va en profiter tant que Donald Trump n'a pas encore construit le mur. We must buy the wall. Nous devons construire le mur afin d'éviter qu'il fuit. Oh non, c'est tellement horrible cette blague. Eh hey, mais les nationalistes, ils sont en train de gagner. Et ça se trouve, on va avoir des États-Unis fascistes. Ce serait pas très bon. What? Mais qu'est-ce que c'est cette guerre? Ah ça y est, on a enfin terminé la première doctrine navale. Bah, tu sais, on va peut-être. Maintenant, nos soldats savent enfin poser le pied sur un bateau, quoi. Ah oui, en même temps, bon, notre seule armée, c'est juste des soldats africains. Si je peux me permettre, on a la pire armée. Enfin, bon, c'est une armée coloniale, vous me direz. On fait avec ce qu'on a, et voilà, blablabla. Eh, mais les nationalistes, ils s'en sortent bien. Alors, insurrection des pieds noirs. Oh oui, James Stevens, enfin bon. Alors, dans la population blanche d'Algérie, il y a des pieds noirs. Donc, c'est les pieds noirs, c'est les colons français. Et une large minorité juive. Nanana, parce qu'il y a beaucoup de politiciens d'extrême droite comme, comment ça s'appelle, Eugène Deloncre, René Bousquet, Philippe Henrot, qui sont historiquement des salauds de Vichy qui ont déporté les juifs. Hashtag la rafle pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et donc, actuellement, eh ben, les juifs sont. Ah ben, on a deux choix. Soit on dit aux juifs, ben, vous vous cassez, je suis désolé, mais bon, on se prend cette d'instabilité. Soit, on dit fires antisémites. La première fois que j'avais lu ça, je me disais, mais attends, ça veut dire on bute les antisémites ou est-ce qu'on bute les juifs? Parce que brûler. Non, 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 on va pas faire cette blague. Alors, je pense qu'en toute logique, fires antisémites, ils vont manifester et on les flingue. Allez, Eugène Deloncre, René Bousquet, Philippe Henriot, 21%, mais. Bon, c'est mieux que 7%, mais putain, les mecs, vous me saoulez là avec vos. Il n'y a pas que temps. Bah si, pourquoi vous êtes parti en exil si vous vouliez pas d'un gouvernement de merde, vous auriez mieux fait de rester en France communiste, vous auriez fini au goulag. Tiens, Alicante qui est tombée. Alors j'espère mes deux divisions là, elles s'en sortent bien parce que. Non, ce que bon, et si je perds mes deux divisions, que je. Est-ce que je peux lui envoyer d'autres? Ah oui, j'ai 2000 là. Ah oui, bon là, peut-être aussi que les mecs, ils ont pas de ravitaillement. Allez. Et en division. On va t'envoyer. Je vais t'envoyer 6e. Je vais t'envoyer 3 divisions en plus. Allez, bim! 5 divisions françaises en Espagne, quoi. Oh non, 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 non. Là, par contre, tu te fous pas de ma gueule. Tu reprends Léon. Franco! Non! Non, Franco! Putain, et Franco, il a le soutien de tout le monde, quoi.
Ban on teaching, bannissement sur l'enseignement. Ok. Oh putain, regardez ça là, les Cossacks sont en train de tout démonter quoi. L'avantage de eux, c'est que no deal with long. Oh, les communistes qui ont failli faire un accord avec les nationalistes. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh, je crois que là, les républicains ils vont gagner. Enfin, les Charles Curtis là, il va gagner. Dispute du château. Nouveau secrétaire du poste colonial. Tiens, Corpus Christi, les mecs, ils sont. Et je sais pas comment tu fais pour tenir Reed. En même temps, Reed, on dirait un malade. On dirait un mec qui était en asbiscatrie. What? Bah, c'est quoi? D'accord. Ah, ils étaient vraiment bien organisés. Les mecs, ils ont repris toutes les villes d'un coup. Et bon, là, les nationalistes et communistes perdent du terrain. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, le festival. Problème avec l'intégration, ignore les protestations par rapport à l'apologie, nanana. Nouvel ordre en Africa, nous devons être sympas avec les. Le ton de l'armée irlandaise, ok. Nous sommes tous des Américains. Oui, oui, ben vous avez vivé aux États-Unis, vous êtes Américains, les mecs. C'est, tu sais, le. La Lachorda qui attaque le Turkestan dans le dos. Oh non, ça par contre, c'est sale. Par contre, vous avez intérêt à vous dépêcher parce que là, les Cosaques, ils vont vous prendre. C'est guerre dans le monde quoi. Ça c'est plus intéressant que ton truc en. Et là par contre ça m'inquiète pour les interventions du gouvernement. Et là faut vraiment que je vais pas devoir envoyer toute mon armée quand même. Vous imaginez l'armée en française dans son intégralité qui se barre en. Bon au moins ils ont plusieurs. Ok. Une face. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oh il y a de l'instabilité au Népal. En même temps c'est même pas leur terre. Brûler, oh, ils brûlent des livres en Arménie. Non, 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 on n'a pas dit des. On brûle pas de livres. On brûle pas de livres, surtout si c'est des juifs. S'il vous plaît, quand même. Un peu de respect envers les juifs. Révolte en Arménie. No worse the damage, oh putain. Gouvernement nationaliste arménien. Oh, nationaliste. En fait, c'est le même dirigeant, mais bon. C'est le même dirigeant, il s'est pas fait chier quand même. Ah, l'Arménie se fait attaquer par les Turcs. Oh non. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Mais les mecs, vous pouvez pas perdre comme ça quand même. Non, là par contre, vous avez pas le droit de perdre. Non. Putain, les nationalistes, les communistes sont en train de perdre. Ça, c'est beau. C'est beau, mais bon. Blasphème. Oh, Oman déclare son indépendance. Pff, allez, bim. Allez, bim. On attaque tous ceux qui déclarent leur indépendance. Je crois que normalement, ça va. Grande démonstration pour la paix. Oui, mais je m'en fous. Je m'en fous, les mecs. Voyez-vous, moi, je suis actuellement posé, comme on dit, mais bon. Death mort de Michel Bianchi. Je sais pas qui c'est, mais bon. Help de la Russie. La Russie a annexé ce qui restait de la Chordée et attaque le Turkestan. Eh, mais les mecs, vous avez vraiment plus rien. Les mecs, vous avez même plus d'honneur, quoi. Tu sais, c'est. Après, bon, vous avez perdu terrain, là. À moins que bon. Ah, bah, ça y est. Ils ont pas repris Burgos, mais ils ont repris Léon. Ah non, là, par contre, tu m'as fait une grosse fausse, mec. Là, si tu perds la guerre, t'inquiète pas que tu peux toujours courir pour ce que je t'accueille en France. Enfin, en Algérie, parce que bon. Faut pas s'appeler France. Ça s'appellera France que quand on aura pris Paris, Marseille, enfin tout ça. Guadalajara qui est libéré, et cette guerre d'Espagne. Et aux États-Unis, les nationalistes, les communistes sont en train de perdre. Plus ils ont de grosses poches, quoi. Ah oui, là, Asheville, quoi. C'est Asheville. C'est. Attends, ah non, j'ai cru que Chicago avait été prise. Ah bah non, là en plus, expansion de l'agriculture, ok. Unioniste, c'est quoi la différence? Répression de l'ICA. Mec, faites n'importe quoi. L'IA fait n'importe quoi. L'opposition démocrate gagne. Et ils ont remplacé Michael Collins par Kata le machin. Bah, très bien. L'opposition gagne. Allez, Michael Collins, tu te barres. Tu te barres, pardon. Ça y est, Michael Collins n'est plus là. Alors, ça, ok, ils ont le congrès arabe, enfin, ils sont de l'ordre du machin. C'est pour ça que je laisse les messages, parce que c'est des trucs importants quand même. Oh, Washington, il va sur le point de tomber. Et va donc. T'as la guerre civile aux États-Unis, je comprends même plus rien, moi. Vous savez, actuellement, les États-Unis, je préfère. Oh, les communistes qui sont réduits à peau de chagrin quand même. Alors là, faut vraiment que les nationalistes se bougent parce que là. Non, là par contre, c'est perdre. Je vais être dégoûté. Non, parce que bon. Non, vous pouvez pas perdre les mecs. Bon, de toute façon, en Espagne, ils auront pas trop le choix, j'ai l'impression. Pas devoir vous envoyer toute mon armée quand même. Tu sais, le mec qui a vraiment plus le choix et qui envoie toute son armée en Espagne, quoi. Ok, ok. Ah bah, ils ont fait un coup d'état, ils ont récupéré toutes les terres aux hommes. Ok. Et tout se passe-t-il? Oh, bon, eux ils ont pas eu vraiment trop de difficultés à vous prendre les terres. Ouais, ils n'ont eu aucune difficulté à vous faire chier. Oh là là, mais les nationalistes ils sont
Ah, Burgos a été repris, oui! L'incident du Front populaire au Japon, voilà, ça c'est plus intéressant que l'autre. Denver, le dernier dinosaure, toujours entre les mains des communistes, quoi. Elle est. Alors, opposition de l'ICA, un nouveau drapeau pour le gouvernement irlandais. C'est quoi le nouveau drapeau? C'est quoi ce drapeau de merde? Non mais s'il y en a qui me disent vraiment qu'il y a des gens qui veulent mettre ça en drapeau en Irlande, mais tuez-moi tout de suite! C'est pas un drapeau, c'est un quart de soleil! D'ailleurs, on va passer en 1938! Ah, mais oui! Mais oui! Espérons que cette année soit décisive en Espagne. Alors, démonstration des unionistes. Putain, le drapeau irlandais, quoi, il est quand même bien stylé. Oh, ils ont perdu Burgos, par contre, ils ont repris Salamanca. Bien, vous repreniez du terrain. Eh, je savais bien que les divisions, elles allaient servir. Bah, attendez. Plus on est de gentils monsieur, on va leur enfiler plus. Le mec, il s'en fout, il envoie toute son armée au combat, quoi. À l'attaque! Et on va leur envoyer. Bon, on leur envoie tous nos tirailleurs sénégalais. Non, on leur envoie. Pas la forterie de marine. Les bombardiers tactiques, je vois pas ce qu'on intégrer. Ah, je peux pas. Ah, si, je peux en envoyer un peu plus. Voilà, on envoie le 3ème bataillon de tirailleurs sénégalais. Tu sais, l'armée espagnole, elles doivent se dire putain, mais on y veut. Mais je sais pas, chef, pourquoi les bonapartistes nous aiment. Je crois que c'est pour nous envahir encore. J'espère pas. J'espère pas, Billy. Ok, alors, Wish à l'appli, ouais. Bon, tu sais, mec, tu devrais finir ta guerre civile avant de taper la causette aux autres. C'est bien, allez, les mecs. Et on a fini l'infanterie de division 37. Ce qui veut rien dire. Et on va commencer l'infanterie 39. Et oui, parce que si on. Et par contre, faut que je pense à faire ces putains d'ingénieurs. Bâtiront pas des mitreuses comme dans Anti-Fortress. Les communistes se sont fait couper. Oh oui. Oh yeah. Et ils ont pas de. Non, ils ont pas de ravitaillement. C'est super. Ce qui fait que la guerre va se jouer entre royalistes et nationalistes. Bon, donc on va revenir là. Mining et Liberia. Tiens, c'est quoi ces événements? Bon, alors. Au niveau démocratique, ben, on va se moderniser un peu dans notre armée. Enfin, on va passer un peu militariste. Alors, c'est quoi ces deux events là? Alors, il faut faire quoi pour miner? D'accord, faut que la Guinée soit alliée avec moi. Sauf que s'ils sont pas alliés avec moi. Et la Guinée, mais quelle Guinée? J'ai pas de Guinée chez moi. Comment tu veux que. La Guinée, c'est même pas. Je sais même pas chez moi, les mecs. Pourquoi je ferais ça? Ouais, mais bon, les armées, les mecs là, vous êtes bien gentils, mais les mecs sont même pas. The Rebel Aztec, the capital. Oh, l'Arménie s'est fait annexer. Ils ont eu une sorte d'Anschluss très bizarre. Alors là, on a la République sociale caucasienne. Le Tsar n'est pas content par rapport au prix. Ah oui, ça c'est dans la campagne de Caudran. Caudran, il a un event comme ça. Putain, mais cette guerre civile des américaines, quoi. C'est Adgun, Dixie, c'est le bordel. On n'y comprend plus rien. J'espère qu'on va gagner cette guerre. Bam, bam. On a quand même 54 points de production. Restauration de l'Empire King. Oh oui. Voilà, c'est quoi le Sinn Féin? Je crois que c'est un truc. Et en Chine, j'ai. Pff, regardez ça, t'as des rues. T'as des Cosaques. Les Cosaques bien paumés là, ils ont frontière avec Stenberg. Tu sais, le mec il envahit tout l'eau et pouf. Restauration de l'Empire King. Jahol. Attends, l'Irlande est entrée dans la Middle Europa, mais vous êtes pas sérieux? Mais vous êtes sérieux? L'Irlande quoi? Non mais. Pff. Oh non mais please. Les Allemands acceptent notre quête. Ok, la minorité machin, je m'en fous, tu sais. Ah non, les communistes ont récupéré la. Ont récupéré. C'était Huesca ou Pamplone? Je crois que c'était les deux en fait. Le maréchal Vendrere nanana est mort, terrain fédéraliste. On va bientôt s'arrêter parce que je suis quand même à 33 minutes de vidéo. Et c'est uniquement pour vous faire plaisir, mes chers abonnés. Et Haïti a annexé la République dominicaine, oui! Oui, oui, ils ont réussi. Ils ont réussi, c'est con. Il a réussi, c'était Nio Vincent. Il a réussi à gagner. Par contre, je crois qu'ils sont pas contents. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Traité avec l'Irlande. Ne faire aucune requête. Et l'Allemagne, ils sont en train de dominer l'Europe. Ils sont en train de faire la Mittel Europa. Ils sont en train de faire comme l'Allemagne. Alors, déclarer l'indépendance vis-à-vis des Ottomans. Mais c'est, mais y a tout le monde est en train de se parer de l'Empire Ottoman, quoi. Blasphème! Éliminons. Et. Pff, bon. Ben, non, je peux les envahir. Est-ce que je les envahis? 6,7 serait quand même salaud de m'en prendre à eux, vous trouvez pas? Hein? Vous trouvez pas? Oh, les communistes qui se font. Oh là là, mais les communistes, ils sont encore réduits à peau de chagrin, mais c'est. Ils sont vraiment massacrés, quoi. J'ai honte d'assister à un massacre aussi sordide. On va vous envoyer un peu de métal, parce que je crois que vos fusils en manquent précieusement. Enfin, complètement. Et d'ailleurs, là, si on dit que j'ai perdu des divisions, je. Toi, mec, t'es mort. T'es mort, on est bien d'accord. Est-ce que je peux envoyer mon navire là-haut? Oh oui! Bah attends, on va en profiter pour aussi sur la côte. Et bon, bah oui, il faut vraiment que je pense à m'arrêter, moi. Situation de la CA.
Oh oui, il y a une division encerclée. Alors là, les mecs, vous êtes morts. Voilà. C'est ainsi que se terminait la poche de Bilbao. Ah bah non, pardon, je disais c'est ainsi que ne se termina pas la poche de Bilbao. Putain, mais 1,3, oh là là là, ils ont réussi à fuir quand même. Ouais, Franco, dirigeant d'Espagne, ça, qui l'eût cru? Par contre, les communistes encore à la frontière. Et les États-Unis à la fin de cette guerre. Alors, que ce soit à la fin de la guerre ou à la fin de la campagne, ils sont ravagés, quoi. Par contre, eux, ils ont pas une bonne industrie, mais eux, ouais, en même temps, ils ont les quartiers. Ils ont les riches quartiers des. Alors, speak, la nouvelle réforme internationale. Eh mais regardez ça, les nationalistes, ils gagnent du terrain toujours plus. Toujours plus fort. Alors, Charles Lévi-Strauss est un philosophe international et ethnologique. Son génie. Ah d'accord, il avait des vues trop socialistes. Alors, soit on le met en tôle, soit on le laisse. Il est pas dangereux. Bah attends, allez, Charles Machin, tu me fais moins de 2 d'Insta, je t'invite au gouvernement. Tu prends la place de. Tu prends la place de. Ben de Georges, tiens, tu prends la place de Georgie. Hein. Voilà, je m'en fous qu'il serve à quelque chose, il me sert à rien. Allez, bim. Et les nationalistes, oui, ils sont en train d'attaquer. Oui, ils sont en train d'attaquer Burgos. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont. Mais c'est quoi ce. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont recréé la République? Ah non, mais. Mais c'est une dictature. Attends, les mecs, vous êtes pas foulés, vous avez remis un dictateur, quoi. Mais n'importe quoi, l'IA qui fait n'importe quoi. Oh non, mais tuez-moi quand même. Cette campagne part n'importe comment. Bon, bah, c'est sur cette campagne, what the fuck, on peut bien dire, que va s'arrêter cet épisode. Donc, comment vous dire que la prochaine fois, bah, la guerre aux États-Unis n'a jamais été aussi serrée. C'est vrai que bon, la guerre, elle a éclaté même pas un an. Donc, par contre, Washington qui tient toujours. Ça, GG. En Espagne, on espère, on va prier pour que notre. Enfin, on va espérer que notre cher ami, là, il tienne le choc parce que il fait n'importe quoi. Ils ont encore perdu Salamanca. Et par contre, les communistes perdent du terrain. On renverra le navire là parce que bon, plus intéressant, c'est de voir les communistes crever. Et donc, dans le prochain épisode, on verra ce que va faire Pudgy, le petit frère de Pouilly. Que va faire Dimitri Romanov? Que va faire Napoléon IV? À vous de le voir dans le prochain épisode. Bye!